Recoucou les coccinelles, nous sommes toujours le mercredi 1er juin 2022. Je ne vous dirai pas l'heure parce que, comme je vous l'ai dit, mes pendules ne sont pas à l'heure. Je filme les vidéos avec mon téléphone portable. Donc, du coup, on va. Là, je vais. Je vous ai fait une précédente vidéo où on faisait la préparation des diamants de ma toile, de la toile, choisir une toile. C'est la toile Mario qui a été choisie. Pas Mario, la toile. C'est la toile Yoshi, pardon, qui a été sélectionnée. Et du coup, ben, on a préparé les diamants tout à l'heure. Et là, on va commencer la toile. Voilà, parce que le temps de présenter la toile, le temps de préparer les diamants, vu que j'avais rien préparé à l'avance, eh ben, on a perdu du temps et la vidéo faisait 1h40. Voilà. Donc là, j'ai un bleu foncé. Je ne sais pas sur lequel ça va. C'est pas celui-là. Ben, je ne sais pas où ça va. Sur le 168, non, même pas. Ça se trouve, ça vient. Pourtant, c'est un diamant carré. Bon, ben on va le mettre dans le vert, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va commencer la toile tout de suite. Là, c'est la feuille de route. Voilà la photo du Yoshi que le, hop, voilà. Voici la photo de la toile que je vais faire commencer aujourd'hui. Et il faut qu'elle soit finie pour le 31, pour le 30 juin. Voilà. Oui, parce que le mois, il porte que 30. Donc, j'ai 30 jours pour la faire. Voilà. Donc, on va faire. Je voulais faire des cases. Parce que c'est plus pratique pour me retrouver. Je vais chercher ma règle. Parce que, comme d'habitude, je n'ai rien préparé à l'avance. Hein? Je regarde si j'ai pas de diamants tombés par terre, mais ça m'étonnerait. Et puis, si c'est le cas, on les ramassera après. Non, ça n'est pas. Non, généralement, j'étais sur ma table, sur mon bureau, donc désolée pour ma voix, les filles. Alors là, je vais voir si le papier se décolle bien, parce que comme c'est du papier cuisson blanc, ouais, il se décolle bien. Donc, ma règle. Fait juste alors 30 par 40, c'est l'image sans les bords blancs. Vous voyez, parce que là je suis bien à 30 cm, donc 30 cm. Et là, de toute façon, on a dit que là ça faisait 40 aussi, parce que là je suis à 30 plus 10. Voilà, donc je vais faire une petite marque. Là, je suis à 30. Bon, elle ne fait pas tout à fait 40, hein. Elle fait 39 et demi. Elle fait 39 et demi. Bon, c'est pas grave. Donc là, au niveau côté 30, elle fait bien 30, mais au niveau 40, elle ne fait pas tout à fait 40. Donc là, je vais faire des cases de 10 cm sur 10 cm. 10. Là, ça fait bien 20. Ici, je mets 10. Ici, j'ai bien 10. Ici, j'aurai 9,5. Voilà, j'aurai 9,5. Il manque 1 millimètre. Voilà. Donc là, ça sera un peu plus grand que là-haut, mais c'est pas grave. On s'en fout. Alors, ici, hop, je vais faire pareil. Là, ça fait 30. Donc, je vais faire 3 fois 10. Alors. ici.
10 ici. Voilà. Donc là, on se met bien ici. Donc là, il faut que je fasse 30 aussi. Il faut que je fasse, hop, que je fasse mes traits. L'image, elle est là. Donc là, je fais 1, 2, 3 parties de 10. 1, 2, 3. Parce que là, ça fait pas tout à fait 10, on a dit. Hein. Voilà. Ça fait 9,5. Voilà. Donc là, je vais pouvoir tracer mon trait d'ici à ici. Évidemment, le papier. Voilà. On va pouvoir tracer ici. Donc la dernière case, là, les trois dernières cases ici, elles seront un peu plus larges en hauteur, mais c'est pas bien important. Voilà. Alors, ici. On a dit qu'on faisait 10 aussi. Un plat, que je puisse tracer mes lignes après. Vous voyez, en bas, elle ne fait pas 10. Elle ne fait pas 30 exactement en bas. 1 mm. Donc, on fait 10. Et là, fait 9,9 à quelque chose près. Voilà. Donc ici, que je vienne faire un trait. Ici. Parce qu'il va falloir que je m'y reprenne à deux fois pour faire un trait. Donc... voilà. Donc ici, je viens ici. Ça va faire des grandes cases, oui, je sais, mais bon, tant pis. Hein. Parce que je ferai sûrement pas une case entière à chaque fois. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Ça me fait 12 cases, donc il y a 4 semaines. Mon crayon, il écrit pratiquement plus. J'ai l'impression que c'est pas droit, mais très, mais bon. Voilà, mes cases sont faites. Je vais passer tout de suite du sopalin sur mon, sur ma règle pour éviter de mettre de l'encre partout. Voilà, donc ça, tout ça, ça sera rangé tout à l'heure. Et on va commencer la toile. Voilà, le ciseau, je n'en ai plus besoin. Ça, je n'ai plus besoin non plus. Je vais mettre ça de côté. Je n'aurai plus qu'à ranger tout ça après. Alors.
Oui, parce que des fois, je suis capable de faire deux cases en même temps. Donc, je vais marquer des numéros. Donc, 1. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze ici. Voilà, bon, ça va, ça suit 9. C'est pas grave. Voilà. Je mets des numéros, comme ça je verrai si je fais une case, deux cases ou trois cases. Parce que je peux faire une case par jour. Donc, alors, on va commencer par la case numéro 1. Je ne vais pas défaire la totalité du papier, hein, franchement. Là, j'y vois plus rien. Hop. Je vais me mettre là ce qu'il va falloir que je fasse, j'ai pas pris mon cutter, c'est que je coupe un peu le papier, mais ça le problème c'est que voilà, faut que pas je cache la légende. Ça me gêne pas donc alors la couleur le symbole numéro 2, le symbole chiffre 2 c'est le 3860, le 3805. S'il n'y a pas les numéros des couleurs ici, il y a juste les symboles et les DMC. Alors la couleur numéro 1 c'est les R, c'est les 168. Alors j'ai quoi ici? Je regarde si j'ai des R. J'ai le OK. Ah ben je ne l'ai pas prédécoupé. Zut. Faut que j'aille chercher mon cutter. Il n'y a pas. Je coupe pas la toile avant, les feuilles avant. Il va falloir que je prenne l'habitude de préparer à l'avance ce que j'ai besoin quand je veux faire une vidéo, parce que quand on est obligé de se déplacer à chaque fois pour trouver le matériel, mince, je ne coupe pas droit. Voilà, je vais enlever le petit bout de papier qui va rester collé là parce que je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, je peux le. Je vais pouvoir le couper.
Voilà. Et là, je vais pouvoir couper, enlever les petits bouts qui dépassent là. Voilà. Hop. En espérant que j'ai pas besoin de recouper après. Alors, faut que je coupe à partir là, ici, sur la bordure, faut que je coupe un petit peu. Que je puisse voir moi les symboles. Voilà. Et ici c'est coupé. Donc là, normalement, je ne devrais pas avoir de difficulté pour enlever les petits bouts de papier. Ah bon, ça n'a pas coupé là. Et bon, on va redonner un coup de hop. Parce qu'apparemment, ça part recoupé. Comme il y a du papier dessous, ah, je vais peut-être le laisser parce que vous voyez, ça s'est pas bien coupé. J'ai coupé trop court. Donc ces deux-là, je vais les laisser dessus. Alors, je vais enlever celui-là. Et je vais mettre celui-ci, parce que celui-ci, je vais faire la case. J'ai pas coupé la bonne hauteur. Hop là. Ça arrive. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Il n'y a que là que je laisse, là ici c'est pas grave. Je recollerai un. Alors, ici on décolle l'étiquette. Voilà. J'ai mal au dos, les filles. Et on va commencer à faire les premières couleurs. Alors, je vais peut-être le mettre dans le sens contraire. Moi, je vois bien, là, ici, comme ça. Il y a des petits plis, mais... Alors. Après, il y a longtemps, je les ai, les toiles, donc... Hop.
j'avais fait l'autre fois. Alors là, ça devrait pas gêner. Voilà, donc je la remets dans ce sens-là. Je vais travailler dans ce sens-là. Alors, les chiffres 2. Alors, j'aurais dû mettre du washi tape, là, mais bon. Ça m'embête. Alors, là, on a des chiffres 2. Les symboles sont vraiment petits. Les chiffres 2 sont vraiment très petits. Les plus aussi. Par contre, celles-ci, on les voit bien. Alors, la couleur numéro 2. La couleur, le chiffre 2, c'est le 3805. Voilà, c'est celui-ci. Mes stylés, ils sont là. Je vais essayer de le placer à la pince. Je vais essayer de les faire à la pince. Alors j'espère que je suis bien mise et que vous voyez bien ce que je fais. Évidemment, vous n'allez pas être en... Alors, je vais laisser ça comme ça et je vais vous tourner un tout petit peu. Pour que vous puissiez voir la partie que je suis en train de faire. Là, le soleil, il arrive là. Mais il n'est pas encore sur mon canapé, hein. Alors, hop. Vu que je travaille dans ce sens-là, il faut que je mette ma parquette dans ce sens-là. Et hop, on fait les petits deux. Alors, je le fais à la pince, mais généralement, je l'ai fait au stylet. Il va me falloir une loupe pour voir mes chiffres. Après, c'est vrai que j'ai mes verres de lunettes qui sont plus à ma vue. Alors, des deux, j'en ai un ici. Vous voyez, j'en ai un qui se balade ici, mais comme il y a le papier dessus, je peux pas le... Allez. Hop. Là, on va faire en damier. Bon, là, je vais être obligée de faire l'autre à côté parce que... Alors, là, un plat, un vide, plat, vide, plat, vide. Voilà, hop. Bah oui, parce que l'autre partie du rose, il est ici. Donc, avec la pince, je vais moins vite qu'avec le stylet. J'ai cherché mon courrier, enfin voir s'il y en a du moins.
vide, plat, vide, plat. Ouais, c'est bon. Alors. Les cases, elles sont vraiment petites sur la toile. Franchement, ah, zut. Je vais faire avec le stylet, j'irai plus vite. J'y vois rien. Ma vue me joue des tours. Il va falloir que je prenne rendez-vous chez Ophtalmo. Je fais d'abord mes dents, la prise de sang, le bilan complet avec le médecin pour ma thyroïde et tout ça. Il faut la prise de sang avant. Alors, on continue. Alors, je vais peut-être me mettre dans le sens contraire. Voilà, comme ça m'évitera de... Alors, j'espère que vous allez bien voir. La case que je suis en train de faire, c'est celle-ci. Donc, il faut encore que je vous tourne un petit peu. Ouais, c'est toute cette case-là. Donc... Alors. Je vais descendre la toile un peu plus par là. Vous la voyez toujours, la case, oui. Alors, j'enlève tout ce bazar là parce que... Je vous rapproche un petit peu. Là, c'est pile poil. Allez, on continue. Que je me rachète un fauteuil, faut que je rachète un pour mon fils. On verra ça après. J'en ai marre de cette toux là. Voilà.
On va faire en damier, puisque apparemment damier c'est plus facile, mais bon, moi je vois pas de différence. Ça c'est un E, je crois. Non, c'est pas un, c'est quoi? Le 7, non. Ça doit être un T. Ah oui, c'est un T. Faut que je commence les deux à partir de là. Et là, il n'y a pas de problème pour les poser parce que le dessous des diamants est ultra plat. Quand c'est comme ça, c'est impeccable. Si les ronds pouvaient être pareils. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai fait une toile diamant painting, je n'ai pas vérifié. Mais la plupart des toiles, quand je les fais, les diamants, ils ont des trous au milieu. Dessous. Que des deux à part là et là, il n'y en a pas d'autres. Alors ici, je viens là. Donc on au niveau broderie point-croix estampée ou estampillée, c'est pas. Eh ben, comme je vous en parlais sur la précédente vidéo, j'ai trouvé pas mal de toiles broderie point-croix avec qui correspondent à des toiles que j'ai déjà vues en diamant painting. Faut que je me trouve la toile Spiro. Je l'ai vue sur des boutiques, mais je ne me rappelle plus laquelle. Le petit dragon Spiro. Je l'avais en jeu vidéo. Franchement, les toiles sont les toiles broderies sont peut-être un peu chères, mais voilà, il y en a voilà, il y en a qui sont chères, d'autres qui sont à prix raisonnable. Il y en a pour tous les goûts, hein, de toute façon, comme on dit. Hein. Mais j'ai trouvé des jolies toiles et j'ai trouvé les gorgeous en broderie point-croix et j'ai vu qu'il y avait des kokeshi aussi. Mais j'ai pas tout regardé, je pense, parce que si j'ai regardé les 53 premières pages. Voilà, après j'ai pas regardé les autres, tout ce qui était. Voilà, alors il y a du 14 CT, il y a du 11 CT, il y a du point de croix compté. Donc je vais aller faire un tour sur ce site-là. Le site c'est The, je sais plus quoi. Je l'ai noté, mais je sais pas où. J'ai noté sur un papier, je sais pas où. Je l'ai marqué hier soir, mais alors ensuite ici. Je vous le mettrai en barre d'infos, le nom de la boutique. Voilà, on va continuer le damier ici.
Je ferai pareil avec les autres couleurs et après je compléterai une fois que j'aurai fait toute la case en damier, je compléterai les cases qui sont vides. Alors, il va falloir que je la mette sur un support que je puisse la bloquer avec des pinces. Alors moi, j'avance pas vite à la pince parce que je le fais pratiquement. C'est rare quand je fais mes DP à la pince. Mais c'est vrai qu'en les posant à la pince, on a plus de précision. Alors ici. Donc là, on reprend à partir d'ici. J'en ai marre de cette toux là. L'impression d'avoir des orties dans la gorge. C'est vrai qu'avec la pince, on a juste à poser le diamant. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Oh, zut, pardon les filles, hein. C'est gênant pour vous quand je tousse, mais c'est encore plus gênant pour moi parce que ça me fatigue. Je vais boire un peu d'eau. Alors, j'en étais où? Ici. Alors là, la toile, elle est bien plate, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Les diamants, comme je vous ai dit, ils sont bien taillés, parce qu'il n'y a pas de petits trous en dessous. Ils sont bien plats. Peut-être celui-là qui est un peu bombé. Celui-là aussi, il a l'air d'être un peu bombé, mais après. C'est peut-être un défaut optique aussi. Alors. Quand je les attrape, ils me paraissent bien plats.
zut. Pardon les filles, désolée. J'ai avalé de travers en toussant. Il y a des moments où je tousse, mais j'ai comme l'impression que j'ai éternué en même temps, donc ça me fait avaler de travers. Mais j'ai une mauvaise toux de toute façon. Alors, ma toux est pas très belle. Je reprends mon produit pour mon asthme. J'avais mis tous les sachets de cette couleur-là, je ne sais plus. Je le mets dans la mallette. La poche où j'ai mis les sachets de côté, là. Maintenant, je t'ai pas demandé de sauter, toi. Alors là, j'avais un 2 aussi, là. Ouais, lui, je vais le laisser, hein, parce qu'il y en avait qu'un. Ah oui, j'attends là, j'attends d'avoir mes sous pour aller chercher du sirop, payer ce que je dois à la pharmacie. Parce que j'ai jeté ma bouteille de Coludol vu qu'elle était vide, le pharmacien m'a dit que le prix était sur la bouteille. Ben, je dis ah oui, je n'avais pas vu. Et quand là j'ai regardé, ben, j'ai pas vu le prix. Parce que la bouteille est vide, donc j'ai mis la poubelle, moi. Mais j'ai pas vu de prix, quoi. Voilà, donc je vais faire en dernier avec les autres couleurs. Et après, j'aurai plus qu'à compléter. Alors, ensuite, on a des 3, des plus. Alors on a des 3, chiffre 3, c'est les couleurs 5. C'est la couleur numéro DMC 603. Voilà, c'est le 603. Symbole 3. Non, le symbole 3. Si, c'est ça, c'est la cinquième couleur. C'est le DMC 603. Voilà. C'est dans les tons roses, voilà. Allez, on pose les 3. Alors, j'en ai un ici. J'en ai un ici. Une traversure. Vous voyez, là, les diamants, ils étaient tout petits. Et là, celui-là, il est beaucoup plus gros.
Rien ici. Je ferai mes deux, je compléterai mes deux tout à l'heure. Trois, j'en ai encore un ici que je n'avais pas vu. Désolée, il faut que je me mouche. Petit coup. Voilà, allez, on continue. Ah, j'ai mal à l'estomac, force. Hein. Ça me fout complètement à plat de tousser comme ça. Franchement. Là, du coup, comme j'ai pu positionner mon téléphone correctement pour vous zoomer quand je fais une vidéo, je vais pouvoir vous zoomer au-dessus de mes mains quand je vais faire mes vidéos pointe-croix. Mais il faut que je mette le. Faut que je laisse mon trépied sur côté gauche pour que moi, vu que moi je suis droitière, quoi.
Allez, on va les continuer en damier. Ah bah non, je t'ai pas dit de tomber à l'envers, toi. Allez, on les continue en damier. Et moi, je finirai après. Je voulais juste commencer la première case avec vous. Alors, des trois, j'en ai un ici. Là, je les mets tous les deux puisqu'ils sont l'un sur l'autre. Allez, continue. Là, j'ai un 3 ici. Ici qui vient, celui-là. Bon, bah là, de toute façon, c'est des petites zones. Donc, hop. On va faire comme tout à l'heure. On va mettre celui-là ici. Ah zut, j'arrive plus. Oui, je fatigue vite, alors donc. Alors j'ai des trois ici. Alors j'en ai un qui est tout seul là. Lui, on va le mettre. Allez, on commence un ici.
Donc celui-là du haut. Ben, si je vais le mettre là. Il y a des endroits où on ne peut pas faire de damier parce que les. Voilà, ici j'en ai un qui est tout seul. Ça, je vais plier le papier. Allez, on continue. Voilà pour les trois. J'en ai pas d'autres. Alors, je vais décaler un peu ma toile. On va changer de couleur. Je compléterai moi après. Voilà. Alors, les petits plus. Alors, j'ai des S. Les S, c'est quoi? 819. C'est encore dans les tons roses. Alors, un S, j'ai vu que j'en avais ici. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, hein. Parce que moi, je ne peux pas voir. Je peux même pas contrôler mon chrono, mon chrono, ouais, on va dire mon chrono, je peux pas contrôler le compteur puisque je suis dans le sens contraire de mon téléphone. Donc là, pour les S, ça va être compliqué de faire des damiers. Tiens, Mademoiselle Ruby. Mademoiselle Ruby qui vient voir sa maîtresse. Alors, un S, je vois, les symboles sont vraiment petits, les filles. J'y vois pas beaucoup. Si vous entendez gratter, c'est Mademoiselle Ruby. C'est Mademoiselle Ruby qui fait ses griffes sur le canapé. Elle fait sa petite vie de chat tranquille. Normalement, ses chaleurs devraient être finies. Mais hier soir, quand je l'ai caressée, elle levait encore un peu ses fesses. Puis madame, quand on la caresse qu'elle est en chaleur, elle lève les fesses en l'air. Elle lève les fesses en l'air, cette demoiselle. Bon, je vais faire les S complets parce que comme ça. Comme on ne peut pas faire damier partout.
Après, je vais faire de la broderie, les filles, pendant qu'il y a du soleil. Le soleil va. Faut que je retire mon canapé plus le radiateur. Enfin, vers le radiateur plutôt. Alors, un S, j'en ai là. Alors, DS, j'en ai par là. Donc, désolé si les vidéos sont, si les vidéos, pardon, sont trop longues, sont assez longues, mais je vois pas le compteur. Donc, là, c'est des 6. Là, c'est un S. Alors que je fasse attention entre le 6 et le S. Vous voyez là les C, les C, les S et les 6, ils sont sur des. C'est la case, elle est grise. Il n'y a pas de différence de couleur de case. Je vais aller chercher, voir si j'ai du courrier. Et après, je vais faire de la broderie. Pendant qu'il y a du soleil. Bon, là, il y a la bordure du papier. Hop. Hop. Allez, pour les S, j'en. Ah si, j'en ai encore deux ou trois autres en bas. J'en ai encore un. Deux. Trois. Encore deux ici. Un et deux. Là, il y a le papier qui gêne un petit peu. Je regarde si j'en ai pas oublié, parce que bon, du coup, j'ai fait tous les S. J'aurais juste les 3 et les 2 à faire en damier, à finir. Voilà, ça, est-ce que ça veut rentrer comme ça par là? Oui.
Voilà, donc ça. Bon, je vais faire. Alors là, les Z, parce qu'apparemment j'ai qu'un seul Z. Alors le Z, c'est quoi? La couleur numéro 10, c'est le 745. Ah non, j'en ai deux. Alors, j'en ai un. Ah non, je ne les voyais pas, les Z, ils sont là, voilà. J'en voyais qu'un, moi. C'est pour vous dire que je ne les vois pas très clair. Donc, on va les faire en damier, eux aussi. Je me suis encore trompée. Celui-là, il vient pas là, il vient là. Celui-là vient par ici. Ensuite. Faut que je fasse le short à mon fils, là, que je lui fasse les ourlets. Il y en a pour 2 minutes avec la machine. Faut que je plie tout le linge que j'ai à plier. Parce que j'ai dans ma chambre, moi j'ai une pleine corbeille de linge à plier. Si vous entendez du bruit, c'est bébé Ruby qui joue avec ses jouets. Et elle joue pas avec celui-là qui fait le moins de bruit, hein. C'est une chipie. Ici. Voilà, je pensais pas en avoir autant des Z, et ben voyez. On va pouvoir les mettre en damier puisqu'il y en a quand même pas mal. Un ici. J'en ai un là. Celui-là, il est tout seul. Celui-là, il est tout seul. Là, il est, j'en ai vu un là, tout seul. Tu fais quoi, ma fifi? Elle fait son petit bonhomme de chemin. Hein, elle fait son petit bout de chemin, ma fille. Elle va drouille, elle se promène. Fait le tour de la maison. Ah ben là je me suis trompée, c'est pas là qui va. Là je suis obligée d'en mettre deux l'un à côté de l'autre. Bien par là. Et je vais mettre l'autre à côté puisque j'ai pas le choix. Allez, ici on met un là. Ensuite, on vient en mettre un autre ici. Ça va aller en escalier ici. Il va trop beau comme d'épée. Il est trop beau. Il est trop joli.
J'en ai un par là. J'en ai un là. J'en ai un ici. J'en ai un par ici. J'en ai un là. Je pensais pas, je pensais qu'il y en avait qu'un, puis en fin de compte, vous voyez, j'en ai plusieurs. C'est là que la feuille, je vais mettre là. Il suffit que je décale d'un cran ici. Voilà. Je vais en mettre un ici. J'en ai un là à mettre. Au niveau des aides, j'ai mis tout en damier. Les trois aussi, je les ai mis en damier ici de ce côté. J'aurais plus qu'à compléter ce qui manque à mettre. Allez, ensuite on a des petits plus. Les petits plus. Alors les petits C, 747. On va faire les C pendant qu'on est là. Pas tout en mettre que du rose. On va mettre un peu de couleur. Alors la lettre C. Ah, j'ai oublié un Z ici. Alors attendez, le Z, on avait dit que c'était le 745. Alors le C. J'en ai pas de ce côté. J'en ai qu'ici, dans cette case-là. Donc, on va en mettre un ici. Là. Puisqu'on les pose en damier. Voilà. Bon, là, les C, on va pas pouvoir les mettre en damier. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va compléter ici. Alors, les C, j'en ai pas là. Il n'y en a pas beaucoup à faire, donc hop.
Alors c'est bien quand il y a les feuilles de route parce que ça vous évite de couper la légende DMC et la photo sur votre toile. Faudrait que je fasse pareil avec mes broderies pointe-croix. Je fasse un cahier, que je prépare mon cahier broderie pointe-croix. Parce que les pointe-croix estampés, ben, il y en a où il y a des feuilles de roue. Il y a des images, des photos. Voilà, le C, il est fini. Alors ensuite, on a... L'épée, la lettre P, 37-74. Là, j'avais mis, il n'y avait qu'un sachet, je crois. Hein. Alors, 37-74, il n'y a qu'un seul sachet. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup à mettre. Alors, l'épée, j'en ai un ici. J'en ai un ici. J'en ai là. Alors, P, j'en ai un ici. C'est couleur abricot très clair. C'est une jolie couleur. Donc là, on va essayer de faire tous les P qu'il y a à faire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a encore un là. Après, moi, j'en vois pas beaucoup. Si ça se trouve, il y en a d'autres ailleurs et puis que je les vois pas. Alors, ici, j'en ai un là. J'en ai un à côté. J'en ai un autre en dessous. J'en ai encore un là. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres que j'en aurais oublié. Oui, là j'en ai trois. Donc j'en ai un ici. Des diamants, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros que les autres. J'en ai encore oublié un là. Un P, ici. Juste là, et j'en ai un autre juste à côté, ici. Voilà pour l'épée.
j'en oublie un. Je l'ai vu où? Je sais plus. Je viens d'en voir un, je le vois plus. Là, j'en ai un là. Il me semble que j'en ai vu un autre ailleurs. Là, voilà. J'en avais oublié deux. Bon, bah, elle est bien avancée, ma case, hein, franchement, les filles, hein. On va faire les petits plus. Les petits plus, c'est quoi? C'est les 38,65, comme pour ne pas changer. Alors, les petits plus, j'en ai un ici. Ah, ça me saoule. Ma colle. Là, c'est un déchet, on n'en veut pas. Alors, des petits plus là. Je vais plus vite avec le stylet, franchement. Faut que j'essaye mon stylet là, avec les paillettes à l'intérieur, parce que la pointe elle est plus fine, faut que je le sorte. Elles vont être vite faites les cases hein, si je m'y mets comme ça. Alors, hop, on continue les petits plus. Alors, j'en ai un ici. Je vais voir si ça touche la feuille. Ouais.
C'est un papier qui se déchire quand on tire dessus en plus, donc où je lave le saladier de mon voisin, là que je lui redonne son saladier et son mixeur, parce que je fais pas de soupe l'été. Puis moi je vais m'en racheter un. Je regarde sur Téléshopping s'ils en ont d'autres. Que je regarde sur Amazon, blender chauffant. Là, on va les faire en damier. C'est en ligne droite. Je compléterai après. Allez. Voilà. Là, on a à mettre ici. Bah, si je les prends par deux, franchement. Alors, hop, un ici. Ici, j'en mets un là. Ici, j'en mets un ici. Voilà, donc voilà pour les plus. Allez, descends. Voilà pour cela. Bon, ben, je pense que ça va être tout. Je regarde combien il y a de... Combien on en est au niveau de la vidéo. 1h32.
Donc, eh bien, écoutez, je vais arrêter là. Je finirai plus tard. J'ai gardé le papier pour coller sur ma... Hop. Pour m'indiquer que j'ai la case numéro 1 à finir. Je ne l'ai pas collé droit. Pourquoi je la mets pas droite là? Une fois que c'est décollé, le papier après, on peut, quand on veut le remettre, il est toujours. Donc c'est pas grave, je vais mettre la barquette dessus. Ma colle, je vais la mettre là-bas. Je vais mettre mon verre ici. Ma barquette ici. Ah, j'ai un 38,65 qui est resté là. Voilà. Et je vais le mettre dans l'autre sens. J'y travaillerai peut-être tout à l'heure. Donc voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez voir correctement sur ma vidéo, vu que moi j'étais en plein soleil. Enfin, j'étais au soleil. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot de toute. On n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. Donc voilà, donc sur ce, bisous, passez une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.